toujours Bach Jardel, chanteur musicien. Donc là je parle au nom des artistes qui sont engagés contre la lutte pour la lutte plutôt comme une contre le dictateur monsieur le président du SNCC au Congo-Brazzaville. Alors je voulais dire que depuis sa réélection, où il s'est surtout proclamé président de la République pour cette nouvelle République, nous avons constaté ici à la diaspora que nous recevons beaucoup de demandes d'argent de la part de nos familles qui sont au Congo. Et aujourd'hui, l'Espagne Union a beaucoup de clients parce que la situation au Congo, sur le plan financier, est vraiment intenable. Les parents souffrent là-bas, les familles souffrent. Les locataires n'arrivent plus à payer leur loyer du fait de manque de salaire. On leur paye pas leur salaire. Et hein, donc du coup, ils peuvent pas s'acquitter de leur droit de loyer pour être logés convenablement comme tout le monde. Donc nous demandons à ce que le Congo puisse se retenir, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il y ait la paix, mais que les gens se retrouvent et discutent, qu'il y ait des négociations afin de pouvoir sortir de cette crise qui est en train de miner le pays. Effectivement, tout ça, on a le lot pour na, comme d'habitude, tout ça, la cabane marche na biso. Donc, tout ça, la place de la République, tout le long ou ati, la place de Châtelet. Donc, tout ça, c'est là, tant que comme pour tout tambo là. Bon, le lot, ce que tu me rends le bapon na nanyo, moto à zone ou ka dialogue. Ou alors, comme à Kamali Boba, y a bamba la bonne à ça, la dialogue dans le Congo. Le dialogue, c'est tout à ça, la carrière, ça, c'est à l'okouta. Si on se connaît dans le dialogue, si on a l'opposition, si on a la diaspora, si on a la wana, mais si on a le dialogue, on a la main, soit dans la Suisse, et ça la tête, parce que si on a la main, si on a photo de la biso, on a un aéroport, on a un côté de la suite, on a un biso moko. Comme les hommes, on a un tata na yo. Si on a un biso de tigre, on a un tata na yo. Mais à condition que, le coup, on a un linga. Dialogue. Dialogue, on a un peu de Congo. Dialogue wane ko salama soit ça na Suisse ba dialogue ba sala go tsu da Congo zate dialogue salama na l'Afrique te e yo moko ko za représentant parti na yo parce que c'est toi le tricheur monsieur Wuposo na ba wo le moribond yo moko yebi na la cola na cola na quartier ensemble di fort chant di ba ke ko na na tanga na école Mouleke. Si vous avez yo ça, vous avez eu 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 ça, vous parfois, quand même, monsieur, monsieur le Mourbon, parfois, faut qu'on ait ça, faut réfléchir, c'est pas normal. Si vous avez eu ça, vous avez eu ça, vous avez eu ça, total, vous avez eu ça, vous avez eu. Mais sincèrement, il est temps de réflexion. Il faut réfléchir. On t'avait laissé la porte. Il fallait en profiter. Il fallait sortir par la grande porte. Ce que tu n'as pas osé faire. Et maintenant, tu fais quoi hein? Comme tu joues que par le sang, tu bombardes le sud. Tu crois que les arbres choisissent Ntoumi hein? Oso qui nous bombardent bateau. Oh, nous, on cherche Ntoumi. Mais on cherche lui dans toute la République. Vous voyez, dans le sud. Hein? Tu sais, la fois dernière, en 97, le nombre de gens que tu avais tués. Le nombre de gens que tu avais tués. Donc tu veux refaire pareil. Mais il doit y avoir négociation. Mais seulement un seul point à ces négociations, à savoir le départ sans condition de Sassou Nguesso Denis, qui a eu 8% à l'élection présidentielle. Il s'agit, je le dis bien, il s'agit d'une négociation. Pourquoi? Certains vont me poser la question de savoir pourquoi négocier avec Sassou Nguesso. Mais je le dis tous les jours que Sassou Nguesso est le chef du gang de barbares qui s'est emparé du Congo et des richesses du Congo par les armes, et qui occupe le palais du peuple par les armes.
Le 20 mars dernier, le peuple congolais lui a demandé de quitter son palais, c'est-à-dire le palais du peuple, en lui infligeant une lourde défaite où il a eu un minable score de 8% de suffrage exprimé à l'élection présidentielle. Mais voilà, donc il faut négocier avec le gang de barbares et son chef, Sassou Nguesso, qui occupe le Congo par les armes. Mais ces négociations-là n'auront qu'une seule condition, le départ sans condition du chef du gang des barbares qui s'est emparé du Congo et des richesses du Congo par les armes. Et ces négociations ne peuvent pas se dérouler dans le sens sous l'onde, c'est-à-dire la famille État ou la zone de non-droit installée au Congo par ce gang de barbares et son chef Sassou Denis. Il est hors de question que Jean-Marie Michel Moukoko, Okombe Salissa et Mounari et Boao puissent négocier avec un non-premier ministre, Mwamba ou Moussaka, qui a été nommé par celui qui a eu 8% à l'élection présidentielle. Donc, il y a des conditions. Première condition, un seul point à la négociation, le départ sans condition du chef du gang des barbares, Sassou Denis. Deuxième condition, la libération de tous les prisonniers politiques et de tous les embastillés. Troisième condition, la négociation doit se passer à l'étranger, pas au Sassou Nguesso. Le Sassou Nguesso ne garantit pas la sécurité pour les Congolais. Bonjour, chers compatriotes. Voilà, on est ici, à la place de la République. Voilà, toujours dans des activités d'activisme parce qu'on n'a pas de choix. Avec tout ce qui se passe au niveau du Congo, on a su que Sassou Nguesso il veut dialoguer. Bon, maintenant, il faut que le dialogue soit fait selon les demandes de l'opposition. L'opposition, ce n'est pas Tchatchi Mabiala. L'opposition, ce n'est pas Mathias Nzon. L'opposition, c'est Jean-Marie Michel Moukoko. L'opposition, c'est Parfait Kolela. L'opposition, c'est Okombe Salissa. L'opposition, c'est Mounari. Et en plus, la diaspora active. Il ne peut pas y avoir de dialogue au Congo sans pour autant que la diaspora active soit absente. Il faut que, donc, que les choses, les règles, les choses soient faites en fonction de toutes ces adversités-là. Voilà. Nous sommes d'accord pour le dialogue, mais il faut que les thématiques soient dictées par et l'opposition, et le pouvoir illégal, et la communauté internationale. Voilà. Le dialogue, c'est bien. Nous sommes ici pour résister. On résiste toujours parce qu'il y a eu un hold-up au Congo-Brazzaville. On résiste toujours parce que il y a eu des bombardements dans le sud. On résiste toujours parce que voilà, le pouvoir du peuple a été volé. Voilà, il faut donc qu'on puisse remettre les choses sur les i. Il faut qu'on puisse donner la liberté, les droits, les libertés fondamentales, que Jean-Marie Michel Moukoko retrouve ses libertés. Il faut que les opposants politiques qui sont assignés à résidence, qui sont dans des prisons pour les Makaya, puissent retrouver la liberté pour après initier un dialogue national. La diaspora active, c'est celle-là qui est l'opposition aujourd'hui. Au Congo-Brazzaville, il n'y a plus d'opposition. C'est la diaspora qui est aujourd'hui l'opposition. Il faut qu'on puisse compter sur l'apport de la diaspora dans ce dialogue-là. Voilà, peuple congolais, on est debout, on résiste, on est là. Je vous remercie. Oui, chers compatriotes, voilà, l'occasion nous a été accordée pour vouloir faire, disons, passer notre volonté. Ici, nous sommes à la place La République, à Paris, et nous voulons faire entendre notre point de vue par rapport à ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Déjà, mes pensées vont à l'endroit des bombardements des morts du pôle. Ils veulent nous isoler. Ils veulent que les gens, que ça ne se sache pas qu'on nous a bombardés, qu'on nous a tués. Voici, même après avoir tué, le problème du Congo-Brazzaville n'est toujours pas résolu. Nous sommes le peuple avec une seule exigence.
nous ne voulons plus que M. Sassou Nguesso, M. 8%, puisse parler au nom du peuple congolais. Parce qu'il sait très bien que les 33 ans, qui se résument sur un fiasco, ne va pas nous faire blanchir M. Sassou Nguesso. Maintenant, nous disons ceci. Il y a un dialogue soi-disant, mais nous, on ne peut pas dialoguer avec le bourreau. Et le dialogue, quand on dit sans exclusif, comment appeler ça, comment vous appelez ça, c'est doit être, disons, au rendez-vous de ce dialogue, le peuple congolais et tous les opposants, la diaspora y compris. Monsieur Sassou Nguesso, son cas sera discuté une fois qu'il s'est retiré d'abord. Faire arrêter d'abord les bombardements du Poul, arrêter les arrestations arbitraires et on n'ira pas dialoguer avec le bourreau. C'est interdit. Lui, il doit être mis sous le banc des accusés. Le Congo vivra sans Sassou Nguesso. Vive le Congo. Ingeta. Oui, bonjour chers compatriotes. Nous sommes ici à Paris, place de la République, donc nous sommes là. Nous sommes là pour dénoncer ce qui se passe dans notre pays d'origine, le Congo-Brazzaville. Nous condamnons ce qui se passe à Brazzaville, dans le pôle du pays par exemple. Et nous demandons à M. Sassou de tenir compte de la volonté du peuple congolais qui s'est exprimé le 20 mars 2016. Il a engagé tout un dialogue avec certains opposants. Si le dialogue est engagé, c'est une très bonne chose, c'est bien. Mais le dialogue doit se passer dans... Le dialogue doit se passer dans quel cas? Donc les points du dialogue doivent être précis. Donc pour nous, un, la libération de tous les compatriotes qui sont actuellement retenus dans les geôles du régime. La dissolution des milices privées, l'accès aux médias à tous, afin que la démocratie puisse s'installer. Sans cela, vraiment, et en plus de cela, nous avons besoin que le résultat du 20 mars soit reconnu, donc le deuxième tour entre Parfait Colonna et le général Jean-Marie Michel Moukoko. Vive la démocratie, merci. Chers amis, peuple congolais, on ne va pas au dialogue avec un dictateur. On ne discute pas avec un dictateur. Sassou sera déboulonné, soyez-en sûrs, Sassou Nguesso sera déboulonné. On attend le mois d'août, le jour du 12 août dans son mandat va être mis fin, il sera déboulonné par le peuple congolais. Pas de dialogue avec Denis Sassou Nguesso, nous devons renverser le rapport de force. D'ici là, nous allons renverser le rapport de force, compter sur le général Jean-Marie Michel Moukoko. Nous sommes toujours mobilisés. D'ici là, le dictateur Denis Sassou Nguesso sera déboulonné par le peuple congolais. Soyez-en sûrs, donc restez côté. Peuple congolais, nous sommes là à la place de la République pour dire que M. Denis Sassou Nguesso, le plus grand terroriste du monde, doit démissionner immédiatement. Et s'il ne dégage pas, nous allons venir le dégager. Ok, le message est clair. Et le Congo-Brazzaville n'appartient pas à la France. Il est temps que la France libère toute l'Afrique. Rentrez chez vous avec l'armée française et laissez-nous tranquilles. Le message est clair. Et Hollande, on n'a plus besoin de toi pour la libération du Congo. Nous-mêmes, on va le faire. Ingeta. Congolais. Allô. Ingeta. Chers compatriotes, chers tous. Sassou Nguesso t'a volé les élections. Mais sache que tu vas partir. Tous les gens qui ont trahi le pays, on va le tracter. On va le tracter comme il faut. Romain Mbenda, là où t'habites, on connaît. On va te tracter. Filijani, on va te tracter. Et il n'y aura plus la sapologie. La sapologie en France, c'est fini. C'était le masque que vous avez fait. Mais sachez que, on est des jeunes, nous devons construire notre pays. Amis, chers combattants, Nagolova la Lingala. Parce que en ce moment, c'est un moment difficile. Monsieur Sassou Nguesso
akoti si mboka na crise ya makasi boyebi en ce moment Congo azo devoir 7000 milliards otozo defa na bato ya kenako ya mongo na Chine na France na États-Unis azali sous na mongo te boyebi 7000 milliards otozo devoir ezali combien ezali 20% ya mongo oyo Sassou a joué qui pendant 10 ans y a pétrole. Pendant 10 ans, monsieur Sassou Nguesso a joué 40 000 milliards. 40 000 milliards y a faux CFA. Pendant 10 ans, on a vu qu'à pendant 10 ans. De 2012, de 2002 à 2012. Un allemand a joué à Salé Loko Mokote. Ça veut dire que plus un allemand a joué. Donc, ce qu'on me calcule, donc, plus on a devoir. Type est 20% il y a mongo donc ça veut dire que mongo aujourd'hui 40 000 milliards aujourd'hui aller en haut et avec le défaut avec le défaut sur mongo 20% il y a 40 000 milliards aujourd'hui donc aller mongo c'est le remonté sur aujourd'hui 20% aujourd'hui avec le défaut ça veut dire que n'a calculé, n'a moni on a sali municipalisation pendant 10 ans. Ça veut dire que moi la municipalisation, on a tiré la municipalisation à quelque défaillance qui fait 20%. Mais maintenant 40 000 milliards on a joué à sali n'a moni. Et là comme on va sali n'a côté à quelque défaillance mongo. Ça veut dire que on a dit qu'on explique que Motoana Azali un papa voyou à l'inimbokate. Maintenant c'est à vous les Congolais de vous réveiller. Soyez conscients, réveillez-vous. Les gens de Ouesso, de Fondo, de Wando, de Kinkala, de Donizi, de Porte Noire, d'Onkaï, réveillez-vous. Ceux qui ont l'amour, qui ont sali, des obéissants, si vous avez mis dans l'Ibanda, ça soit que vous avez mis dans l'Ibanda, à Gokima, dans la vie de la vie de la conscience, parce que vous avez mis dans la crise, vous avez mis dans la crise de la Makasi. Ça veut dire que vous avez la terre. Ceux qui ont passé une boutique, donc là, ils ont passé une moto à gérer une boutique. Ils sont un peuple congolais. Ils ont passé un sassou, ils ont passé l'été à jouer à gérer. Allez-y, qu'on gère. Il faut qu'on l'envoie. Qu'on l'envoie pas, tant qu'il marque, moi, je compte la déficit. Bon, donc, il faut qu'on l'envoie. Alors, nous sommes à la place de la République. Endroit symbolique. Endroit des droits de l'homme. Alors, on vient dénoncer une fois de plus tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville. La dictature de Sassou Nguesso dure depuis plus de 32 ans cumulés. Nous ne pouvons plus accepter que cette dictature puisse tuer à merci les enfants de ce pays-là. Nous sommes la voix du peuple. Nous sommes la diaspora qui est libre. Nous sommes ici pour dénoncer les crimes de sang. Nous sommes ici pour dénoncer cette dictature qui vit par le sang. Nous ne voulons plus de cette dictature et nous demandons à ce régime sanguinaire de libérer tous les prisonniers politiques sans condition, d'ouvrir un corridor humanitaire pour aller aider les populations vulnérables du Poul. On ne peut plus supporter que ce régime sanguinaire puisse continuer à marcher sur des morts, puisse continuer à violer les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Nos leaders politiques sont aujourd'hui dans des résidences surveillées. Le Congo devient une prison à ciel ouvert. Ça n'est pas normal. Nous allons nous battre jusqu'au bout pour libérer ce peuple et demander à ce que les dictateurs et tout ce qui entoure cette dictature soit poursuivi devant la Cour internationale des droits de l'homme. Et ça, c'est pas normal. Nous dirons non à la dictature, non à Sassou Nguesso, et nous marchons pour exiger la libération sans condition des prisonniers politiques. Nous marchons pour dire non au hold-up électoral. Nous sommes ici pour dénoncer les massacres qui se passent au Poul. Les 32 ans de dictature de Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, nous en avons marre. Nous voulons que Sassou Nguesso parte. Il doit partir. Il est temps qu'il laisse la place aux jeunes. Ça suffit. Sassou Nguesso, tu n'as pas gagné les élections. Nous, les Congolais d'étrangers, nous sommes unanimes.
nous disons non au dialogue. Nous comptons d'abord les urnes et après on dialoguera.